Non mais c'est quoi ce bordel? Non mais sérieusement, ils ont fait une nouvelle version d'Aladdin et ils ont viré Kev Adams du casting! Ah non, puis je vous parle même pas de l'idée de prendre Omar Sy dans le rôle du génie, hein. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question de Aladdin version 2019. Donc la version live, qui est en fait un remake du dessin animé de Walt Disney qui lui-même adapte une histoire des Mille et Une Nuits. Jamais vu Disney faire autant de réappropriation culturelle, c'est-à-dire cette fois-ci on fait des remakes, mais des remakes de ce qu'ils ont fait. Bon bref, ça de toute façon on le savait tous que ça allait être ça. C'est réalisé par l'anglais Guy Ritchie. Guy Ritchie, un réalisateur intéressant, on se demandait tous pourquoi est-ce qu'il était là-dedans. Évidemment, on s'imagine qu'il a fait un peu le Yes Man pour pouvoir financer d'autres projets. Il avait par exemple en tête un Sherlock Holmes numéro 3, mais vu que son roi Arthur a été un peu un échec, il avait peut-être besoin de se remettre en selle. Et pourquoi pas un gros blockbuster que tout le monde va aller voir juste parce qu'on a la curiosité d'aller le voir. Au casting de ce film, on a Will Smith, on a Mena Massoud, on a Naomi Scott et on a Marwan Kenzari. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, déjà, le principe de base de ce film m'agace. Ces espèces de remakes qui sont des sortes de copier-coller, c'est pas intéressant de base. Mais on a tous cette curiosité, je l'ai aussi pour le Roi Lion, de se dire « Mais j'aimerais bien voir comment ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont... Comment ils ont réussi à transformer ça ?» Et j'y suis allé avec cette curiosité, et aussi parce qu'il y avait quand même Guy Ritchie à la réalisation. Et au final, je suis dans l'horribilité de vous dire que... j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai beaucoup aimé. Alors, la note peut paraître un peu haute, hein. Là je donne un 8 sur 10, ça peut paraître vachement haut, mais il faut dire que, à part le côté commercial énervant, ce côté truc qui me donne envie de lui mettre un 2, vous voyez, ce principe qui m'a agacé, j'ai vu le film et je suis sorti du film comme un gamin. Voilà, j'ai adoré. Voilà. Je dis pas que c'est un grand film historique qui va marquer quoi que ce soit, non, non, j'ai vu ce film et j'ai passé un super moment. Le savez-vous, le conte d'Aladin, à la base, n'apparaît pas du tout dans le roman des Mille et Une Nuits. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à retrouver des traces, en arabe, de cette histoire-là. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, ce serait une invention du traducteur. Alors, j'ai fait mes petites recherches, certains disent que c'est une invention, ou alors des contes qu'il aurait entendus oralement et qu'il aurait voulu intégrer dans l'histoire des Mille et Une Nuits. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'histoire d'Aladin, il y a l'histoire de Simbad le Marin, et l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs qui... ont le même souci. Donc ça voudrait dire que les histoires les plus connues des Mille et Une Nuits, en fait, sont peut-être pas des histoires d'origine arabe, mais des inventions d'un traducteur français. Et est-ce que vous saviez aussi que l'histoire d'Aladin, à la base, se passe en Chine? Alors tout d'abord, les acteurs, on va commencer par parler de monsieur Mena Massoud qui fait Aladdin. Alors, je trouve qu'il le fait très très bien. Bon, généralité sur tous les acteurs, ils ont pris des acteurs beaux gosses, que ça passe bien à l'écran, que ce soit très visuel, on est dans un conte, hein, qui en plus adapte un Disney, on va dire un peu stéréotypé, le Disney féerique, vous voyez. Donc, ils ont tous ce côté un peu beaux gosses, bien posé et tout, et moi je trouve que ça passe bien. C'est marrant de se rappeler que dans le dessin animé d'origine, Aladdin avait la tête de Tom Cruise quand même, mais... finalement, je trouve que... Non, franchement, il le fait bien avec sa mèche, comme ça, ça peut être un peu too much pour certains, mais moi, personnellement, j'ai trouvé que le personnage était assez agréable à suivre, donc voilà, j'étais assez content, j'ai trouvé l'interprétation très correcte. On voit très bien les moments où, par exemple, il a l'air débile dans son costume de Ali Ababwa, on sent qu'il est comme ça... Et... Non, franchement, il le fait bien, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Naomi Scott, qui fait Jasmine, je la trouve vraiment, vraiment... excellente. Franchement, elle est excellente. En plus, elle est mignonne comme tout, j'ai trouvé. Ça donne vraiment un certain cachet. Non, non, elle se débrouille très, 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 très bien. Will Smith dans le rôle du génie. Alors là, il faut parler un petit peu plus longtemps de lui. Déjà, parce qu'il y a eu tout un brouhaha quand il y a eu la bande-annonce qui est sortie. Waouh, Will Smith en bleu, c'est dégueulasse, et blablabla, et blablabla. Personnellement, j'avais pas trouvé ça fantastique, mais j'avais pas trouvé qu'il y avait de quoi gueuler autant et dire c'est quoi cette merde. Évidemment, on pense à Robin Williams, hein. Petite pensée pour lui, comme d'habitude, hein. Si tu nous écoutes, si tu nous comprends aussi, c'est pour jamais. D'accord? Et le principe du génie, c'est évidemment qu'il faut qu'il ait de la personnalité, il faut que ce soit un show, il faut que ce soit quelque chose de drôle. Et Will Smith apporte la patte Will Smith dans le film. Est-ce qu'il le fait bien? Oui, il le fait bien. En plus, Will Smith, moi, c'est un acteur que j'adore depuis longtemps, donc forcément, j'ai aimé. Cependant, contrairement aux autres, aussi parce que c'est des acteurs que je connais moins, qui ont réussi à me faire rentrer dans ce film, dans les personnages, mais dans le film en lui-même, comme j'ai dit, bariolé de partout, eh ben... lui, par contre, j'ai pas vu autre chose que Will Smith. C'est-à-dire, j'ai pas réussi à oublier Will Smith pour voir le personnage. C'était Will Smith. C'est bien, mais en même temps, d'une certaine manière, ça m'a un peu sorti du film. Mais il le fait bien quand même. D'ailleurs, l'humour du génie est très Will Smith. Je pense qu'il a eu une part d'improvisation, voire peut-être même une part d'écriture au scénario, quelque chose pour qu'il puisse justement se démarquer de Robin Williams, qui lui avait mis du Robin Williams. Il fallait qu'il fasse autre chose.
Ça pourrait déranger certains puristes, mais je pense personnellement que c'est une bonne chose que ce film se démarque de la version d'origine. Visuellement, le génie, moi je l'ai trouvé correct, bien fait hein, d'ailleurs, donc j'ai pas eu de soucis en ce qui me concerne. Marwan Kenzari qui interprète Jafar, un Jafar assez différent, mais je trouve qu'il le fait très très bien. Alors, pas tant dans l'interprétation, que ce soit une interprétation de ouf, hein, je dis pas qu'il le fait mal, mais c'est pas une interprétation de ouf, mais je trouve qu'il a un physique qui est assez intéressant, une bonne tête, surtout quand il a les turbans, je trouve que quand il a pas les turbans, ça marche un peu moins bien, mais quand il a ce turban comme ça, je trouve qu'il a une assez bonne présence de méchant, qui passe bien à l'écran, et ça, franchement, c'est plutôt réussi. Donc les acteurs sont plutôt bons, mais c'est surtout qu'il y a, comment dire, ils ont, un peu comme je l'ai dit pour Jafar, ils ont une certaine présence, ils sont là, et ils dégagent un petit quelque chose de féerique. Le film en lui-même est en règle générale féerique, puisque de toute façon l'histoire vous la connaissez tous, hein, donc je vais pas vous cacher des secrets qu'il y a dans le dessin animé qui date d'il y a très longtemps maintenant, hein, d'accord? Donc on est dans cette atmosphère féerique, et en effet le film est tourné avec cet aspect féerique, c'est-à-dire les décors, bah, ça ressemble pas à un vrai endroit, on sait qu'on n'est pas dans une vraie ville historique ni quoi que ce soit, donc il y a ce côté un peu fake. Au niveau des effets spéciaux, c'est magnifique, hein. Il y a bien sûr certains qui sonnent un petit peu faux, certains fonds, on voit un décalage, on va dire, entre l'acteur et le fond, mais c'est fait de manière discrète, je veux dire, ça passe dans le film, et à part ça, l'univers qui est créé sous nos yeux est franchement beau, et franchement féerique, parfois on a des plans larges qui permettent d'imaginer plein de choses, après c'est vrai que bon, ça se tourne surtout dans un palais ou des choses comme ça, donc oui, là ça se resserre un peu, mais au niveau de la production design, il n'y a aucun souci, évidemment, on s'en doutait pas, hein. C'est-à-dire on n'avait pas le moindre doute que Disney allait faire quelque chose de bien à ce niveau-là, ça c'est certain. Alors pour ce qui est de la mise en scène, ça va être difficile de parler de la patte de Guy Ritchie, parce que je suis pas non plus le plus grand expert, la plupart des trucs que j'ai vu de Guy Ritchie, il y avait un côté un peu clipesque, donc je sais pas si c'est vraiment sa marque de fabrique. Disons que, en tout cas, on sent que le monsieur, il a l'habitude de tourner des films avec un certain budget et qu'il sait le faire, c'est-à-dire que le film est bien tourné au niveau des scènes d'action, alors je suis pas en train de vous dire que c'est révolutionnaire, etc., mais on sent que c'est fait par quelqu'un qui sait faire du cinéma, c'est pas juste un machin craché par un yes man n'importe qui. Il fait office de Yes Man, mais il fait le Yes Man intéressant dans le film. Après, c'est vrai que je suis pas sorti du film en ayant des plans spécialement qui m'ont fait bam dans la gueule, à part évidemment certains plans de jolis décors et tout ça, comme j'ai dit, de la ville qui était recréée. Là, oui. Le scénario et l'histoire du film, je pense que tout le monde la connaît, parce que c'est le remake du dessin animé, et c'est un remake très fidèle du dessin animé, je veux dire. Il faut pas chercher midi à 14h, c'est très fidèle. Par contre, pour avoir vu le film il y a 6 mois, il y a un truc que j'ai vu dans ce film et que j'avais pas vu dans le dessin animé, ce qui veut pas dire qu'il n'y était pas, mais il n'était pas aussi présent. J'ai trouvé que les thèmes sont un peu plus appuyés dans celui-ci. Par exemple, la quête du pouvoir, de vouloir être à chaque fois plus puissant, j'ai trouvé que c'était mieux développé. Ainsi que la quête de l'image qu'ont les gens de nous-mêmes. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'on peut ressembler à un prince, etc., etc. C'est présent dans le film d'origine, ça y est. Mais j'ai trouvé que dans celui-ci, c'était mieux expliqué, c'était plus développé. Alors évidemment, on va vous sortir le classique Sois toi-même, qui est le meilleur conseil du monde et en même temps le plus mauvais. Ça dépend de ce que vous êtes vous-même, hein. Parce que, évidemment, quand la fille est déjà attirée par toi, bah tu peux être toi-même. Par contre, elle n'est pas attirée par toi, tu peux être toi-même, elle ne sera pas attirée. Hein. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être autre chose. Bref, un autre débat, ça. Donc, pour dire que bien que l'histoire soit connue, eh ben, personnellement, j'ai trouvé ces points plus appuyés très intéressants. Voilà. Il y a quelques différences entre le dessin animé et le film, j'en ai perçu une ou deux, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas un expert dans le dessin animé et le film, je viens de voir. Quoi qu'il en soit, il y a quelques petites différences, ce qui vont vous permettre, bah, je pense, de prendre un petit peu de plaisir, même si vous connaissez bien le dessin animé, parce que c'est quand même un peu le plaisir de voir aussi quelques différences, hein, vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui vont ressembler. Le dessin animé Disney d'origine était déjà un film qui était très chanté, il y avait beaucoup de passages musicaux. Alors ça se faisait beaucoup dans les dessins animés à l'époque, et au cinéma, c'est revenu un petit peu à la mode, suite à La La Land et compagnie, donc on a ça. Il faut savoir qu'il y a des chansons qui ne sont que pour ce film. Par contre, je ne pourrais pas vous dire s'il y a des chansons du dessin animé qui n'ont pas été reprises dans le film. Ça, j'ai pas assez de connaissances. Il y a plein de gens qui sont Disney films sur Internet. Allez voir, ils vous le diront. J'en suis certain! En ce qui me concerne, perso, j'aime bien les comédies musicales. Et là, ça fonctionne très bien. Cependant, il faut aussi dire que c'est là que Disney joue très bien sa carte de la nostalgie. Ça fonctionne encore plus parce que les musiques, on les connaît déjà. Ce qui fait que quand on entend le début de la mélodie, eh ben on les a en tête. C'est-à-dire, le film commence et on entend un tout petit peu quelques notes de Arabian Nights, donc les nuits d'Arabie. Et ensuite, ça part sur autre chose avant qu'on ait réellement la musique. Donc, juste avec quelques notes, ils arrivent déjà à nous rappeler ces musiques-là. Ce qui fait que ça fonctionne très bien, d'ailleurs.
Personnellement, je dois vous dire que j'ai vu le film en français, hein, par contre, niveau, je peux pas juger de la qualité musicale, vocale des gens, mais je l'ai vu en français parce que justement, les musiques, même si je suis pas un expert, je les connais plus en français. Je suis ton meilleur ami, d'accord ? Et donc, justement, je voulais ressentir cette force de la nostalgie et ça a fonctionné. Il faut dire aussi que ce film, je trouve, a une petite dose de Bollywood dedans, un petit côté un peu comédie musicale, mais vraiment à l'indienne, c'est-à-dire... On a des chorégraphies un peu élaborées, on a des trucs et des machins. J'ai vraiment l'impression que ce film essaye d'aller un peu dans ce sens-là. Vraiment pure comédie musicale au niveau du cinéma. Et ça, bah, comme vous le savez, moi j'aime bien, donc ça ne me dérange point. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que comme j'ai dit, il y a la thématique du pouvoir, il y a la thématique, on va dire, de qui nous sommes, comment nous sommes vus, mais le film peut être vraiment vu par toute la famille, parce que, bon, évidemment, il y a les chansons, il y a le côté féerique, il y a le côté aventure, mais il y a aussi un gros côté romance dans l'histoire, ce qui fait que les couples peuvent aller le voir sans autre. Je pense vraiment qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui soit pour toute la famille, très honnêtement. Et malgré le problème que j'ai avec le principe de faire un remake live juste pour attirer les gens en jouant sur la nostalgie, je dois vous avouer que je suis retombé en enfance devant ce film. Aladdin est un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Et honnêtement, eh ben, quand j'ai vu ce film, j'étais un gamin. J'étais un pur gamin. Pas que par nostalgie, mais aussi parce que la manière dont le film est fait amène à rêver et à se laisser emporter. Voilà. Moi, j'ai adoré. Je dis pas que ce sera le cas de tout le monde, je suis pas en train de vous dire que c'est le film du siècle, et rien que par principe, j'ai envie de vous dire de pas aller le voir, c'est horrible. Mais si je suis honnête avec vous, je ne peux pas vous le dire parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Bon, bah voilà. Du coup, je vais m'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous. Ciao tout le monde. Bonne journée, ça peut être sympa. Je profite de cette petite scène post-générique pour vous dire que si vous voulez des vidéos sur les dessins animés de Disney, vous pouvez les mettre en bas parce que je suis un peu curieux, j'ai un peu envie de m'en refaire quelques-uns. Je sais pas si je le ferai, mais si vous me motivez, peut-être. Voilà. Comme quoi, ça vaut la peine de rester pour donner votre avis.